STV, votre télé. And Tata Karin have emerged the winners of the 2019 edition of the Mount Cameroon Race of Hope in both the male and the female category in a highly attended ceremony in the town of Legendary Hospitality, presided at by the Minister of Sports and Physical Education, Nasis Samuele Kombi. Get the details on tonight's edition of the newscast. Note headline on this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. This is the 8 p.m. bilingual newscast on STV, and we begin in the French language with Inès Panga. Bonsoir, Inès. Bonsoir, Jean-Paul Sama. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité politique. Évaluer la participation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, à la dernière élection présidentielle d'octobre 2018 dans la région du littoral. C'est l'objectif de la visite de travail de Laurent Esso, le chef de la délégation régionale permanente du comité central du RDPC dans le Vouri à Douala ce 23 février 2019. Il a entre autres remercié les personnes conviées à la dite rencontre pour leur contribution multiforme lors de la campagne électorale. Il les a félicités pour la forte mobilisation et la participation à l'élection présidentielle. Il a fait un bilan des résultats de la présidentielle du 7 octobre 2018 dans le département du Vouri. Et enfin, il a appelé à une forte mobilisation des uns et des autres pour de meilleurs résultats lors des prochaines échéances électorales. Au sorti de cette rencontre, Hervé Emmanuel Comme, il est le membre titulaire du comité central du RDPC, et Charles-Élie Zanzan, président de l'OGRDPC du Vouri 2, se sont exprimés au micro de Julie Pau. Nous avons analysé les résultats des élections présidentielles et le chef de la délégation régionale nous a dit de parler avec franchise et tout pour voir quelles sont nos forces, nos faiblesses et comment nous allons faire en sorte que ces résultats continuent à être amplifiés pour gagner les prochaines élections parce que nous sommes dans un marathon électoral et nous aurons 3 élections cette année probablement, les régionales, les municipales et les législatives, donc nous nous mettons en ordre de bataille. Concrètement, la femme joue un rôle définitif dans nos élections. L'électorat est féminin et nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au bout. Et par tous les moyens, on gagnera les 3 élections, du moins la majorité des voix. Ce qui concerne les jeunes, c'était d'abord une prise de parole forte avec les aînés. Vous savez, avec nos aînés dans le parti, c'est l'accompagnement, c'est la suite, c'est le fait de l'indamnation et il fallait qu'on se parle, qu'on se dise les choses et qu'on construise ensemble cette famille qui est le RDPC. Et dans le parti au pouvoir, nous sommes dit les choses et nos aînés nous ont reconfortés dans nos prises de position d'avoir choisi le meilleur parti de ce pays et d'avoir fait le bon choix de soutenir le président Paul Biya. Donc à ce qui concerne les jeunes, c'est plus de responsabilité, plus de discipline et de plus en plus travailler pour l'édification du pays. Gestion des forêts communales dans la région du sud, des maires entendus au TCS. Vu le tardif développement des communautés villageoises riveraines de ces forêts, celles-ci accusent les maires d'être de connivence avec les exploitants forestiers, chose que ceux-ci refutent catégoriquement. Martin Lemba. Énorme source de développement des communautés villageoises et des communes, les forêts communales du Sud, de par la gestion des ressources forestières y provenant, semblent plutôt être source de conflits entre les maires et les populations. Différentes agressions, déjà de la part des populations qui pensent toujours que les maires bouffent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est, comme d'autres maires le disaient d'ailleurs tout à l'heure dans la salle, ils étaient plutôt prêts à demander que l'État reprenne ces forêts-là, au lieu de nous faciliter la vie, nous l'empêchent. Parfois même, en ce qui concerne celles intercommunales, il arrive que certains maires, le plus souvent ignorants de la réglementation en vigueur, se retrouvent traînés dans les commissariats par les exploitants forestiers véreux. On me reproche, dans un premier temps, ils ont dit que j'ai fait de l'escroquerie. J'ai ri. Et je vous assure que c'est de l'intimidation. C'est l'intimidation et ils se trompent sur ma personne. Parce que quand je tiens le bon bout, on ne m'emmène pas à faire du n'importe quoi. Ils m'ont intimidé
j'ai tenu bon. Maintenant, ce n'est plus ça. Il faut que je leur rembourse. D'ailleurs, ils ne veulent même pas du remboursement de ce qu'ils ont dépensé. La situation est telle que 3 maires de la région du Sud ont déjà été entendus au tribunal criminel spécial sous plainte de certains de leurs conseillers. Dès lors, comment donc arrêter cette saignée et permettre aux populations de jouir des fruits des revenus de ces forêts? C'est de ne renouveler les documents que lorsque le rapport des réalisations du cahier de charge sont joints, les détails de virement avec par rapport à l'assiette précédente. Il faut que l'implication des communautés et le suivi des activités par les cellules de foresterie soient de mise. Vivement que ce soit le cas. Enregistrement des actes de naissance, la région de l'Est à l'essai. Le projet d'enregistrement universel des naissances mis sur pied pour rehausser considérablement les déclarations et l'enregistrement des enfants à l'état civil, question de leur donner une identité juridique. État d'avancement du projet dans la région de l'Est Cameroun, Mireille Sergi. Au Cameroun, le taux d'enregistrement à la naissance des enfants de moins de 5 ans en baisse continuelle depuis 20 ans a connu une légère hausse à 66% en 2014. Sans doute grâce aux délais légaux d'enregistrement des naissances passés de 30 à 90 jours en 2011. Toutefois, des disparités régionales persistent avec seulement 58% dans la région de l'Est par exemple, région qui accueille un nombre impressionnant de réfugiés centrafricains. L'enregistrement universel des naissances, c'est donc le projet lancé par le pays avec l'appui de partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et l'UNICEF, pour résoudre le problème surmentionné. Une aubaine pour le gouvernement, à en croire le Bureau national de l'état civil, région de l'Est. En fin 2017, le district de santé de Bétaro y a connaissait environ 23% de taux de déclaration des naissances, 23%. Et quand nous sommes arrivés, l'un des objectifs, je peux dire l'objectif stratégique du projet était d'augmenter de 20% aussi le taux d'enregistrement. Pour l'implémentation de l'enregistrement universel des naissances dans cette partie du Cameroun, de nouveaux outils et processus ont été introduits. Les outils, c'est le cahier de village que je vous ai montré là, et le formulaire harmonisé de naissance. Des nouvelles personnes, les chefs de village, les relais communautaires et de manière générale le mécanisme communautaire qui vise à ramener l'état civil au niveau des communautés. Je peux vous dire qu'au bout d'un certain temps, nous avons atteint dans certains endroits 100%. Peut-être plus même. En plus du fait qu'il permettra d'accroître le taux d'enregistrement des naissances dans les zones ciblées, ce projet vise surtout à sécuriser la nationalité camerounaise dans un environnement où plus de 60% des réfugiés centrafricains vivent hors visite. Most women in the Southwest region say they are bent on celebrating the 2019 Women's Day come March 8 as preparatory meetings have intensified with the regional delegates of women's empowerment and the family for the Southwest region, urging them to intensify prayers for a successful and smooth celebration given the current atmosphere in the region. Pelagie Ekwene tells us more. Reports from Social Institutions and Gender Index 2014 edition articulates that Cameroon has high levels of discrimination against women in the social space. On the other hand, statistics again indicates that in 2012, the ratio of female to male primary school enrollment was 88%, a case amongst many others, which has prompted these female regional bigwigs to sit in for this first preparatory meeting holding in Boya, in a bid to brainstorm and propose week-long activities for this year's 34th edition of International Women's Day under the theme Crusade Against Gender Inequality, despite the boiling Anglophone issues at the forefront. We have seen that women have a lot of potentials, and if we give them a chance to be able to manage our resources, if we give them a chance to be able to take decisions, I think that most of the problems we are having in our community today will not be there. The regional delegate of Women's Empowerment and the family, Madame Mofa Judith, continued by underlining envisaged activities. Now for week-long activities, we have given the groups the freedom to organize
their own activities in their various zones as they feel safe. And some of them have indicated that they are going to have training sessions, they are going to have a training on income generating activities, they are going to have a prayer session to pray for peace and for a serene atmosphere so that the celebrations are going to go on peacefully. Due to the socio-political fever, the theme of this year's celebration may not be actualized, as she reiterates. About gender equality, a crusade against inequalities. And it's difficult to have to get that crusade done when we don't have a peaceful atmosphere. So we're going to start by having a prayer session and worship, singing, praising God, asking God to intercede and heal our land. Nevertheless, women within the Southwest region have been cautioned to intensify prayers by sitting on their knees so as to ensure a history-free celebration come March 8th, 2019. Some students of the University of Boya have resumed classes with smiles on their faces after the 10-day lockdown following the award of the Presidential Excellence Award of 50,000 francs CFA they received. And they say they are pretty much appreciative of this gesture from the head of state. Clarissa Kowe reports from Boya. This is the atmosphere at the University of Boya campus this Thursday. Activities are gradually going back to normal at this state institution, which has been greatly affected by the recent lockdown and ghost towns, which made it difficult for students to attend lectures. Really challenging. Sometimes you cannot go to school or you come back home with your mom or your because your political crisis. Ghost campus, because you find it hard. You yourself will be to come because everywhere is so no one, you don't find anyone on campus. However, after this lockdown and ghost towns, lectures are said to have resumed effectively, with a handful of students and lecturers answering present. Also unique about this day on campus was the distribution of the President's 50,000 francs CFA Excellent Award to students with a score of not less than 2.5 GPA on 3. With the excitement and anxiousness read on their faces, some students appreciated and described the gesture as a motivation for more hard work. Knowing that you cannot just earn like that, you must have at least a 2 on 4 GPA. So it has a long way to go as far as your studies is concerned. Imagine that you're told to study and then at the end you'll be given 50,000. Normally, everybody wants to study hard. So it really motivates us to study because you know that at the end we are going to receive a grant. Others further say such gesture is timely given the present hardship brought about by the crisis. Great initiative, and it's really helping us. With the current situation now, things are really not easy, the financial challenges. So I will use mine to pay my fee for this school year. Meanwhile, to others whose name did not feature on the list, they have begun working hard by studying, especially as university exams are at the corner. Le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique, en abrégé CIPCA, présente le royaume de Bungo à travers une exposition art traditionnel des Grassfields et patrimonialisation. Le rendez-vous culturel se déroule du 20 février au 18 mai au siège du CIPCA à Yaoundé. Reportage. Le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique présente le royaume Babungo. Le royaume de Babungo, c'est un royaume qui porte vraiment l'histoire de Babungo et l'histoire du Cameroun et l'histoire de l'Afrique. Mon père et mes arrière-grands-parents, ils faisaient dans la sculpture, ils sculptaient, ils faisaient dans l'agriculture, ils faisaient aussi dans la musique, ils faisaient aussi dans beaucoup de choses. Moi, je suis une artiste peintre, mon père était un artiste peintre, mais il utilisait la poussière pour peindre, il utilisait les os des animaux, il utilisait les choses en clé pour monter les tableaux. À travers son exposition, le CIPCA a à cœur de montrer les richesses de l'art Babungo. L'idée, c'est de montrer la communauté Babungo, représentée par son roi, le faune 2x3, montrer cette communauté comme une communauté qui sait faire vivre son patrimoine. Elle sait le faire vivre à travers un musée,
le musée de Babongo Museum, avec qui nous sommes en partenariat pour cette exposition, et qui recèle énormément d'objets, de très beaux objets, qui devraient être vus de tous. Des objets d'art qui flattent la curiosité de bon nombre de touristes locaux et étrangers. Ce sont les objets qui portent l'histoire de Babongo. Par exemple, il y a une statuette. Cette statuette, on appelle ça en patois Babongo, Nchosevsevira. Ça veut dire les gens qui partent en guerre, qui passent devant pour aller en guerre. Les guerriers, on les appelle les guerriers et ils portent, tu vas voir cet objet s'épeler et ça porte un bouclier. Ça montre vraiment l'image de nos grands-parents, comment ils ont combattu pour nous. Il y a aussi un masque de singe. Et nous avons aussi un lit qui date plus de 100 ans. Il y a beaucoup d'objets. La zone des Babongo est à quelques kilomètres de Baminda dans la région du Nord-Ouest. Et en ce moment, il n'est pas facile d'accès du fait du contexte sécuritaire. Par conséquent, le SICA a voulu montrer, être comme un relais. Montrer ces œuvres-là et montrer aussi tout ce qui peut faire la richesse de tous les Camerounais et de tous les Africains. L'exposition qui présente le royaume Babongo se fera à Yaoundé au SICA. En culture, célébrer le Kaba, cette tenue traditionnelle que portent de nombreuses femmes camerounaises et africaines, c'est l'objectif de l'événement baptisé Kabatitude, rendu cette année à sa deuxième édition. Une édition axée sur le thème le Kaba, un emblème sawa au-delà des frontières et qui va s'articuler autour de trois temps forts, la grande parade Kabatitude à Douala, la foire exposition, le gala de défilé. D'autres détails ont été présentés ce samedi 23 février 2019 au cours d'une conférence de presse à Douala. Écoutons à ce propos la promotrice Alice Mbappé Eyoum. Elle s'exprime au micro de STV. Kabatitude, c'est un concept. Kabatitude, ce sont des attitudes dans le port du Kaba. C'est-à-dire que ce n'est pas une action précise. C'est une manière de présenter, de montrer le Kaba. C'est une manière pour nous de porter avec fierté notre habit traditionnel. En fait, c'est dans cette fierté-là que nous nous sommes laissés aller dans la mouvance de certaines attitudes que nous avons pu interpréter en disant Kabatitude. Justement, le constat que nous avons fait, c'est que nous-mêmes, nous avons été surpris par ces attitudes-là. On s'est rendu compte que finalement, le Kaba intéresse tout le monde. Finalement, le Kaba n'intéresse pas seulement le couturier, le Kaba intéresse pratiquement tous les intervenants dans deux différents domaines. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, nous faisons une exposition photo. Ce n'est pas une idée pensée au départ, non. Nous nous sommes laissés entraîner par des artistes peintres, des écrivains qui ont dit « voici ce que nous apportons à votre concept ». Et on s'est dit « mais pourquoi ne pas exposer cela ? Parce que c'est beau ». Aujourd'hui, nous avons le carnaval du départ, mais nous avons été incités par des partenaires qui nous disent à la fin du carnaval, faites une grande fête populaire pour amener les gens à s'intéresser encore plus. Et c'est ce que nous allons faire le 2 mars, samedi prochain. À la fin du carnaval, on aura une grande fête populaire. Tout est gratuit. En culture, plongeons dans la vie d'une jeune fille qui veut se trouver une place sous d'autres cieux, mais va faire face aux réalités qui sont également les siennes. Elle, c'est Anouk, cette upitude sont racontées par Pulchéri Feupo, écrivaine camerounaise. Son œuvre « La meurtrie d'Anouk, nos identités tronquées » vient d'être présentée au public de Douala. Orien Donquin et Gilbert Manguin. Un proverbe dit « il faut connaître d'où on vient pour savoir où l'on va ». C'est ce à quoi était confronté Anouk. La meurtrie d'Anouk parle, dans son titre, comme ça l'indique, des meurtrissures qui sont liées aux identités tronquées. Donc ça parle de cette acculturation, de cette perte d'identité qui a commencé avec la colonisation, s'est prolongée avec le néocolonialisme et s'est parfait avec la migration. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive en Occident et réalise que malgré les efforts qu'elle fait pour s'intégrer dans son environnement, elle n'est qu'une citoyenne de seconde zone. Elle prend alors conscience du fait qu'il faudra, il est important pour elle de refaire le chemin
pour reconquérir son identité. Anouk va donc se tourner vers ses parents à la quête de ses origines. Et cette jeune fille, née après la colonisation, apprendra que du fait de certains aléas de la vie, ses racines et donc sa culture n'étaient pas celles qu'elle pensait connaître, de quoi la perturber davantage. Elle se retrouvait donc étrangère en Occident et même en Afrique. Une histoire trépidante dans laquelle, du fait des migrations, nombreux sont ceux qui vont s'y reconnaître. Les Africains peuvent se retrouver dans ce personnage principal. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient l'impression que j'avais écrit leur histoire. Et étonnamment, même les Occidentaux se sont retrouvés dans cette histoire, dans la mesure où il y a des expatriés. Et puis c'est aussi un livre de développement personnel où on parle de conscience, de prendre de conscience de soi, de la maturation, de ce qu'on croit être. Donc tout le monde peut se retrouver dans ce livre, moi y compris. La meurtrie d'Anouk, nos identités tronquées, est un fleuve qui, malgré ses méandres, donne envie de poursuivre le voyage. Présenté ce 22 février 2019 au public de Douala, son auteur, Pul Chérif Po, est une jeune Camerounaise née au Cameroun. Elle œuvre dans l'intégration et le développement des pays du Sud, à la Fédération Vaudoise de Coopération et à la Coordination Asile Migration Riviera. Nous sommes là en Suisse. La meurtrie d'Anouk, nos identités tronquées, ces 86 pages d'invite à la lecture dans un texte agréable à la vue et à la compréhension aisée. Dans un format A5, il a été édité aux éditions Edilivre. Magazine Kwata Magazine, le premier numéro Kwata Magazine, c'est déjà dans les kiosques, un afterwork dédicace en rapport avec la sortie du premier numéro de l'année de ce magazine a eu lieu hier soir ici à Douala. Sur le concept et l'objectif de Kwata Magazine, nous vous proposons d'écouter des explications de son promoteur au micro de STV. Bon, Kwata Magazine, c'est un magazine digital. Nous existons depuis 2015. Alors, sur notre plateforme www.kwatamag.net. Donc depuis 2015, nous essayons de valoriser la culture urbaine, en général la culture africaine, urbaine africaine. Donc aujourd'hui, l'innovation d'aujourd'hui, c'est l'afterwork. Nous avons décidé, comme étant un bimestriel, de faire à la sortie de tous nos derniers numéros de Kwata Magazine, d'organiser un afterwork. L'afterwork qui est là pour présenter le numéro. Donc nous serons encore présents dans 2 mois et nous espérons que les partenaires pourront nous accompagner sur le projet qui est un projet fort, innovateur et vraiment l'accent que nous mettons c'est sur l'image. Nous mettons un accent sur l'image car nous voulons retransmettre cette culture vraiment en image, d'où notre slogan, la culture urbaine en image. J'ai compris, il s'agissait là de Didier Kamga, le promoteur de Kwata Magazine. Et nous poursuivons ce journal en langue anglaise avec vous, John Paul. Definitely sports athletics in this newscast. Bacha Erika and Tata Karin are the winners of the 24th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. They both emerged champions in the male and the female categories in 4 hours and 40 minutes and 5 hours and 28 minutes respectively, after battling with the chariots of the gods of Mount Fako. Clarissa Kowe tells us more from the town of legendary hospitality. This 24th edition of the Mount Cameroon Race of Hope kick-started at exactly 8 minutes after 7 a.m. when the Minister of Sport and Physical Education, Professor Narcisse Muelokombi, gave the kick-off with 241 athletes taking part. After 4 hours, 40 minutes and 9 seconds, Bacha Eric from the Northwest region emerged winner of the race in the male category. Happy that God has given me this victory today. Though the time is not good, my target was to beat my personal record of 4 hours 24 minutes to 4 hours 15. I've taken 4 hours 40. It's very bad, but I'm happy that I'm still the champion for this year. Eric was followed by Ali Muhammadu, who covered the distance in 4 hours 44 minutes 39 seconds. Last year winner of the Mount Cameroon Race of Hope, Godlove Gapsi Green, took third, finishing the line in 4 hours 46 minutes 9 seconds. That it was in Everest.
Let us over to the second elective, ladies and gentlemen. On my training track. A round of applause for them. At the military. So I was afraid that if I can follow my training track, something can happen along the track. In the female category, Tata Karin maintained her first position in 5 hours, 33 minutes, 41 seconds. So happy to win the Mount Cameroon Race of Hope 2019. I was not expecting to win the race. I didn't feel that much difficulties in climbing. I felt difficulties in climbing, but in descending, I didn't feel any difficulties. She was followed by Galim Lizette on the second position in 5 hours, 37 minutes, 51 seconds, while on the third position, it was Tata Karin arriving in 5 hours, 57 minutes, 33 seconds. Cash prizes of 10 million, 7 million and 5 million CFA francs was initially allocated for winners on the first, second and third positions in the male and female categories, but after the deduction of state taxes, they received 8 million, 6 million and 4 million CFA francs respectively. And despite the tense atmosphere that reigns in the southwest regional capital today, inhabitants braved the odds to cheer the athletes on at the Mount Cameroon Race of Hope amid the tight security which characterized this event. Clarissa Kowe, once more. We are at the main entrance leading to Upper Farms, and this is considered as one of the most vibrant economic area here when it comes to the Mount Cameroon Race of Hope. Unlike last year, we can observe that there are very few spectators who have come out to witness CCM Mount Cameroon Race of Hope. It was a similar atmosphere driving down from the Boyatown roundabout towards Moliku. Unlike last year, this year's event has experienced a timid turnout of sport lovers due to the ongoing socio-political and economic crisis. Previous years, we had the enthusiasm of the population, but because of gunshots, everybody is shying away. I am here because I just live around here. No population here. Nous continuons ce journal, journée des impôts au salon Promote. C'est le nom de l'atelier à travers lequel la direction générale des impôts s'illustre au salon Promote à Yaoundé. Hier, au cours des échanges avec des partenaires au développement, le directeur général des impôts a présenté le tout nouveau système de transactions fiscales pour aider les contribuables au service. Focus sur ce moyen avec Olivier Mbouzika. Le paiement des impôts et taxes pourra bientôt se faire via le système Mobile Tax, un système que le directeur général des impôts envisage implémenter afin de mettre un terme aux difficultés liées aux transactions financières des contribuables. Vous n'avez pas à attendre d'être bloqué au niveau de la douane pour vous poser la question de savoir ce qui se passe. Vous pouvez au quotidien aller sur votre compte fiscal, essayer de générer une attestation de non-redevance. Et si vous êtes redevable vis-à-vis de l'administration fiscale, votre compte fiscal vous sera, on va dire, un relevé, le relevé de votre situation vous sera donné. Et s'il y a des lignes, des dettes que vous ne comprenez pas, il sera grand temps d'aller vers les services fiscaux pour demander de quoi il s'agit. Désormais, chaque contribuable sera doté d'un compte fiscal. À travers ce compte, il pourra au quotidien contrôler ses mouvements fiscaux via son téléphone portable. La création de comptes fiscaux, avantage pour les contribuables parce que maintenant, en temps réel, il connaît sa situation fiscale. Parce que, dois-je le rappeler, il y a quelques années encore, il n'y a que l'administration qui connaissait la situation fiscale du contribuable et qui la détenait par devers elle. Et c'est lorsque vous veniez vers le service fiscaux qu'on vous disait, monsieur, vous devez encore... Vous n'aviez pas accès en temps réel à ces informations. Pour le DG des impôts, cette dématérialisation est inclue dans la kyrielle de réforme engagée depuis quelque temps par la Direction générale des impôts afin de moderniser totalement la gestion des affaires dans le service. La gestion du fichier des contribuables est complétée par la création des comptes fiscaux. Donc, l'avantage de la dématérialisation, et vous l'avez dit tantôt, c'est que maintenant, chaque contribuable a un compte fiscal.
Et c'est ce qui est lié à l'attestation de non-redevance. Placé sous le thème les téléprocédures comme levier de facilitation des obligations fiscales, ces échanges avec les partenaires au développement rentrent dans le cadre de la participation du ministère des Finances aux activités du Salon Promote 2019. C'est avec vous, Olivier Mboussique, que nous mettons un terme à cette édition du 23 février 2019 du journal télévisé bilingue sur Spectrum Television. Restez sur STV, le meilleur est à venir. Bonsoir et bon week-end. Bon week-end, Jean-Claude Sama. Happy weekend to you and a blessed weekend to you all televiewers. STV, votre télé.